Ouverture des hanches. Sur votre tapis, les pieds écartés au-delà des hanches, les pieds bien étalés dans le sol. Inspirez, tirez-vous. Expire, relâchez. Engagez votre centre. Inspire, montez les bras vers le ciel, pliez les genoux. Expire, revenez. Inspire, expire. Une dernière fois, inspire, maintenez la position. Puis vous pouvez venir ramener les bras ici, allongés au niveau des épaules, les doigts qui tirent vers l'extérieur. Et venir monter sur une pointe de pied d'un côté et de l'autre pour travailler dans la position de la déesse. Puis reposer un pied au sol et puis l'autre. Inspire, remonter. Ici, vous pouvez venir fléchir un genou et en même temps tendre le bras sur le côté, regardez votre main. Expire, revenez. Inspire de l'autre côté. Expire, revenez. Inspire, expire, inspire, expire. Puis vous vous étirez vers le ciel, les bras tendus, vous fléchissez les genoux, vous étirez tout votre dos, vous vous penchez en avant, en gardant les genoux fléchis, venez poser les mains au sol. Les genoux restent fléchis, vous relâchez la tête et vous allez vers tendre les jambes. L'objectif n'est pas de tendre les jambes, mais de ressentir un étirement au niveau des adducteurs et des ischio-jambiers. Respirez. Puis ici, vous pouvez venir plier un genou. Revenez au centre et pliez l'autre genou. Alternez. Un genou plié, l'autre tendu. Inspire au milieu. Expire, pliez de l'autre côté. Encore une fois, plié, tendu, plié, tendu. Puis pliez les deux genoux et descendez aussi bas que possible. Inspire et expire, allez vers tendre les genoux. Une nouvelle fois, pliez les genoux, amenez le bassin vers le sol et remontez. Respirez. Une dernière fois. Restez ici en bas. Puis avec un coude, vous allez venir vous mettre à l'intérieur du genou. Même chose de l'autre côté. Et maintenez la position. Puis reposez une main au sol et puis l'autre. Respirez. Ramenez une main au-dessus du genou. Et puis l'autre. Respirez, dos creux. Et inspirez, redressez-vous. Et expire, relâchez. Vous pouvez ramener les pointes de pied légèrement vers l'intérieur. Inspire, tendez les bras vers le ciel, étirez-vous. Expire, pliez les genoux, penchez-vous vers l'avant. Relâchez. Inspire, redressez la tête, tendez les bras vers le ciel, inspirez, redressez-vous. Dos creux. Et expire, relâchez. Vous pouvez ramener les pieds et venir vous installer en position allongée sur le dos, en passant par le côté. Installez-vous confortablement, puis ramenez un genou et puis l'autre sur la poitrine. Toilette des hanches, ouverture des hanches. Ce sont les mains qui guident le mouvement. Puis dans l'autre sens, rotation des deux hanches. Puis posez un pied à plat au sol, croisez la cheville au-dessus du genou et venez pousser avec la main sur la cuisse pour emmener votre cuisse ici davantage en ouverture. Sentez le travail qui s'effectue au niveau vraiment de la hanche. Revenez. Et de l'autre côté. Positionnez la cheville au-dessus du genou. Et venez repousser ici votre cuisse avec votre main. Tendez le bras. Respirez.
relâchez. Ramenez un genou sur la poitrine et puis l'autre. Et écartez les genoux. Maintenez la position. Les bras vont venir se tendre ici vers le ciel, paume des mains face à face. Vous avez le menton un petit peu abaissé. Les bras vont descendre ici pour venir se positionner tendu à l'intérieur des genoux. De cette façon, vous allez pouvoir engager ici vos muscles des omoplates pour venir écarter les bras qui vont de ce fait amener les genoux aussi et les cuisses vers l'extérieur. Les épaules sont basses, le menton aussi à sa place et respirez ici, le centre engagé. Donc en même temps, vous obtenez une ouverture de hanche, un étirement des adducteurs et un engagement au niveau de la ceinture scapulaire. Respirez. Puis relâchez. Et vous allez pouvoir aller dans la position du bébé heureux. Vous gardez cette position ou vous allez simplement mettre un talon vers le ciel. Et puis l'autre, de façon à positionner autant que possible les tibias à la verticale. Pour ceux qui peuvent, vous viendrez attraper ici par l'intérieur les talons. Vous embaumez les talons et vous allez exercer une pression ici vers le sol. De façon à garder les tibias en position verticale et les genoux vont aller vers le sol. Pour ceux qui ne peuvent pas attraper les talons, vous pouvez attraper ici au niveau des jambes ou sinon attraper, c'est très bien aussi d'attraper ici juste à l'intérieur des genoux au niveau de la cuisse avec les épaules toujours relâchées. Respirez. Puis vous pouvez relâcher la position en pliant les genoux, ramenez les genoux sur la poitrine, restez quelques instants ici. Prenez une grande respiration. Posez un pied au sol et puis l'autre. Allongez une jambe au sol et puis l'autre. Étirez-vous. Inspirez, tirez-vous. Poussez dans les talons, les pointes des pieds vers vous. Et soufflez, relâchez. Pour vous relever, une jambe pliée puis l'autre. Roulez sur le côté. Position assise. Merci.